Prends une chaise. L'architecte allemand Ludwig Mies van der Rohe, 1886-1969, est le père de la célèbre formule « Less is more ». Mais il a aussi dit « Construire un gratte-ciel est assez facile. En revanche, fabriquer une chaise, ça, c'est vraiment compliqué. » Dans ce podcast dédié au design, je vous propose une revue des principales chaises qui ont marqué leur époque. La S33 de Mart Stamm. La S33 est l'œuvre de l'architecte Mart Stamm, créée en 1926 alors qu'il n'a que 27 ans. Mart Stamm, 1899-1986, est néerlandais. Et pour la S33, il utilise le même matériau que Marcel Breuer a utilisé pour la Vassili. Je vous renvoie à l'épisode numéro 4. Le tube d'acier sans soudure Mannesmann. Mais Mart Stamm va un cran plus loin dans l'innovation en utilisant à fond la résistance mécanique des propriétés du tube. Ainsi, la S33 a un piétement en porte-à-faux. L'idée de Mart Stamm est de supprimer les pieds arrière au profit d'un arceau en U posé au sol et qui prolonge les pieds avant. Ce principe porte un nom, cantilever. Pour prototyper son idée, Mart Stamm s'est transformé en plombier en utilisant les tuyaux de gaz et les coudes bien connus de cette profession. C'est la maison Tonnet qui mettra la S33 à son catalogue afin de tenter de remédier à la baisse des ventes de leur modèle phare, la numéro 14. On en a parlé au tout premier épisode de cette série. À cette époque, le tube d'aluminium a le vent en poupe et l'emporte sur le bois. Marcel Breuer, qui a réalisé un modèle dans le même esprit, le fera quant à lui éditer aux États-Unis par la maison Knoll. Un procès, à la fin des années 20 entre les deux hommes, reconnaîtra la paternité de l'invention de la chaise cantilever tubulaire à Mart Stamm. Il faut bien dire que la première chaise cantilever de l'histoire est une parfaite réussite. La S33 a une ligne exceptionnelle, géométrique et douce à la fois, notamment dans son dossier. Rien qu'en la regardant, on ressent la promesse d'une assise confortable, avec cet effet ressort qu'apporte la notion de cantilever. D'origine, l'assise est en cuir. Une version avec accoudoir sera rapidement développée, la S34. Best-seller, la chaise connaîtra également une version pour l'extérieur. Les tubes seront alors traités pour résister aux aléas climatiques, tandis que l'assise et le dossier recevront, eux, un traitement anti-UV. Indémodable, on peut acquérir la S33 auprès des innombrables revendeurs de la maison Tonnet. Son prix varie légèrement en fonction des options et avoisine les 1100 euros. Dans le prochain épisode, nous resterons avec le tube d'acier pour découvrir une toute autre approche. À bientôt! Et vive le design !